Moi, salut aux amis, et m'espérer avec Jésus ou en forme. Et c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est dimanche et 17 octobre. Notre objectif pour nous, eh bien, ouais, ensemble, première partie, dans le cadre de la leçon semaine, qui c'est leçon 4, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Eh bien, avant même qu'il nous avance, on nous prie, bon Dieu. Papa, nous qui sommes celle-là, nous bénissons, parce que nous grand dans la vie. Nous. Merci pour le plan que vous faites pour nourrir nous chaque jour à travers l'enseignement. Ça aidez-nous vraiment, oh Dieu, pour nous comprendre. Et qui va nous force pour nous appliquer conseil ça. Fait grâce, nous adressons concernant nous Jésus. Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager et fort que vous-même vous consentez chaque jour pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que vous finissez d'étudier, moi, en chaque jour, pour partager le son avec entourage et comme ça, plus de monde capable d'arriver étudier le son de l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à faire ça. Abonnez-vous ensemble avec Chanel là. Et ça, à faciliter chaque jour. Pour capable étudier le son de l'école du sabbat et encourager entourage pour faire même gens ensemble avec vous. Et bien ce maintenant Jacqueline Connell nous déjà dans 4e semaine. Et bien dit 4e semaine, c'est dit tout 4e étude pour trimestre là. Et thème ce maintenant c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est thème ça qui nous a développé ensemble. Et verset pour nous mémoriser, il dit comme ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, Deutéronome 600, verset 5. C'est pour nous aimer, eh bien, Seigneur, bon Dieu, nous. Et c'est ça, texte à dire, c'est pour nous aimer, bon Dieu, Seigneur, nous. À tout que nous, à tout, eh bien, nous, à toute force, courage, nous. Version que là, c'est comme ça, eh bien, lui-même, il dit qu'il n'y a pas oublié, texte, c'est Deutéronome, chapitre 600, verset 5. Et je dis à qui c'est dimanche 17 octobre. Nous allons ensemble, partie leçon qui titrée. Et mes dieux, remets bon Dieu, bon créole, c'est thème ça que nous voyons ensemble. Je dis à après que Moïse te finit rappeler peuple Israël la histoire, yo, parcours, yo, et bien Moïse t'apprend, bah yo, instruction, et bien sous ça que vous devez faire pour que vous capable, et bien rentrer dans terre que bon Dieu te bah yo, et quand tout yo arrive dans terre ça, qui ça yo devez faire pour yo capable prospérer. Nous Moïse te bah peuple la toute bagarre ça yo. À travers l'instruction qui est même établie. En fait, nous sommes capables de dire que la majeure partie du livre de Théonome n'a pas parlé de l'autre bagaille, qui est l'enseignement que le peuple a recevoir pour qu'il soit capable de rentrer dans la terre qui est bon Dieu lui-même. Et nous avons bon Dieu a fait une alliance ensemble avec le peuple. Bon Dieu a fait une alliance qui est une alliance d'amour que bon Dieu a conclu avec le patriarche. Et nous avons bon Dieu a fait eh bien, promesse li, mais li te vle nous même tout en retour pour nous kembe promesse li. C'est ça que fait. Li te vle un ensemble d'instructions, un ensemble de règlements, d'enseignements, bah, peuple là, pour que peuple là lui-même, li capable connaître comment pour que li capable conduire là envers Dieu ça. Et chapitre 6 de Deutéronome, li commence comme ça pour dire mes commandements, mes prescriptions, mes règlements que Seigneur a bon Dieu nous rend, eh bien, li ordonne nous pour que nous capable apprendre afin que pour que nous capable mettre paroles ça en pratique. Et bien pour lorsque nous arrivons dans un pays qu'il pral ba nous hein, pour que nous capable gagner crête pour bon Dieu ça pour nous observer chaque jour nous-mêmes petite nous et bien toute prescription ça tout commandement ça que bon Dieu ba nous jodi a afin pour que nous capable gagner une vie qui longue, c'est-à-dire bon Dieu pas seulement ba enseignement ça comme ça mais nous dans cadre étude jodi a bon Dieu ba enseignement ça non seulement pour que nous capable remen mais bon Dieu ba enseignement ça tout pour que nous capable gagner crainte pour lui. Nous allons regarder ensemble dans Deutéronome chapitre 6, dans le verset 4 à verset 5. Surtout dans le verset 5, nous allons regarder qui recommandation que l'Éternel t'a fait avec les enfants d'Israël. Et qui sa recommandation ça lui-même, livre le dit. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à verset 5. Écoutez bien, nous-mêmes, peuple Israël, Seigneur, Seigneur, bon Dieu nous, c'est lui, celle qui met. C'est pour nous aimer, Seigneur, bon Dieu nous, à tout que nous. À tout nom nous, à toute force, courage nous. Et bien, qui sa parole ça y est, dit, qui recommandation bon Dieu fait? Et bien, nous, bon Dieu dit, dans verset 5, c'est pour nous remettre avec tout que nous, tout nom nous, à toute force, courage nous. L'intéressant pour nous constater que en dans texte, dans le milieu, la loi de Dieu, dans tout avertissement bon Dieu a baillé, et bien, nous, différentes règles et dispositions, et bien, que peuple a lui-même, que bon Dieu baille peuple là. Mais nous, à part de tout règlement, ça, tout commandement que bon Dieu va faire là, mais bon Dieu m'a dit, peuple là, c'est pour lui remettre non seulement eh bien, pour lui remettre bon Dieu, mais c'est pour lui remettre bon Dieu avec toute cœur, toute force, toute nom,
Et bien ça, les souliers caractère absolu de l'amour ça que bon Dieu lui-même réclame dans nous. C'est-à-dire bon Dieu pas seulement dit pour nous aimer, mais c'est pour nous aimer bon Dieu sans réserve. Et bien aimer bon Dieu avec tout cœur, tout amour, toute force, il veut dire c'est pour aimer bon Dieu plus que toute l'autre bagaille, que ni famille, ni amis, ni tout ça ou même ou t'es capable de posséder. Et parce que c'est fondement et c'est pilier de toute notre être, de toute notre existence et de tout ça qui nous ensemble avec vous, nous t'es capable de posséder. C'est-à-dire, nous, le bon Dieu dit remet avec tout cœur, tout âme, toute force nous. C'est-à-dire, bon Dieu dit c'est pour nous remet sans réserve. Non seulement remet, mais remet plus que toute l'autre bagaille qui nous-mêmes, qui ou même nous sommes capables eh bien posséder. Eh bien en hébreu, mot ça qui se ton en français, li utilisé dans passage ça. Nous bon Dieu dit c'est remet bon Dieu là, bon Dieu ou a, c'est-à-dire ton Dieu, eh bien nous est ton cœur, nous est ta force, c'est-à-dire nous est li au singulier, c'est-à-dire bon Dieu adressé avec tout peuple là de façon générale. Mais ça c'est une responsabilité chaque grain de monde personnellement, eh bien eux-mêmes ils doivent prendre. C'est-à-dire bon Dieu li adressé avec tout peuple là dans l'ensemble. Mais force là li reposer sous chaque grain de monde. C'est chaque grain de monde qui prend la responsabilité pour yo connait yo doit remer bon Dieu avec tout cœur, avec tout âme, toute force, c'est-à-dire yo doit remer bon Dieu ça sans réserve. Et bien bon Dieu veut que nous chaque bien que nous fait partie d'un corps qui est plus grand, et bien pour que nous toutes nous capables de façon individuelle pour que nous capables fidèles ensemble avec lui. Et fondement fidélité ça, et bien l'état doué, et bien l'amour que nous gagnons pour bon Dieu en raison de ça. Et bon Dieu lui-même il fait pour nous. Laisse nous analyser, laisse nous réfléchir, laisse nous garder tout ça bon Dieu lui-même il fait pour nous. Nous avons une raison pour qu'on soit capable de bon Dieu ça avec tout cœur nous, avec tout âme nous, avec toute force courage nous, c'est-à-dire sans réserve. Et bien nous avons une leçon hein, il apprend nous. Il va dire nous pas aimer prochain nous non, il va dire nous pas aimer et bien parents nous, amis nous non, c'est pas ça leçon. Hein. Mais leçon apprend nous aujourd'hui là, c'est pour nous aimer bon Dieu plus que toute bagaille. Selon vous-même, qui ça veut dire lorsque Dex a dit remets bon Dieu avec tout cœur, avec tout amour et avec toute force courage. Suivant ça qui nous soutient dans la leçon, suivant ça qui nous soutient dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 et 5, eh bien, vous pouvez dire moi-même à travers un commentaire, parce que ça c'est réflexion d'une heure, ou dire qui ça ou même vous pensez, des textes qui dit, eh bien, remets bon Dieu avec tout cœur, avec tout amour et avec toute force courage. Eh bien, en gros, c'était étude ça qui nous a pris ensemble aujourd'hui, qui c'est dimanche 17 octobre, aimer Dieu. Un bon créole. Remets bon Dieu. Avant nous aller, nous prions bon Dieu. Merci au Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de comprendre la parole et que la parole soit capable de venir en application dans la vie. Nous décrit nous, pardonnez péché nous. Nous pas de mérite, mais nous concernons nos Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude. Et que Dieu vous bénisse.